Bon matin et bienvenue à notre réunion de l'Église de Portail en ligne. Je me présente, je suis Thierry Chirilus, le responsable des ados sur le site de Saint-Eustache. Si tu nous écoutes pour la première fois, donne-moi une minute pour te présenter notre merveilleuse Église. L'Église de Portail, c'est une Église ayant plusieurs sites, dont Laval, Terrebonne, Saint-Eustache, Abitibi. Et pour Pâques 2023, nous ouvrirons notre cinquième site situé à Montréal-Nord. Notre mission était assez simple aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Alors si tu en désires en savoir plus, je t'invite à consulter notre site internet au www.egliseleportail.com ou notre page Facebook afin de connaître notamment nos différentes heures de réunion et les coordonnées de nos sites. Notre église offre différentes activités hebdomadaires. Nous avons notre service clic pour les enfants où ils reçoivent un enseignement adapté à leur âge où ils peuvent cliquer avec Jésus et leurs amis. Notre ministère Accès pour les ados et Portage en Adultes pour les jeunes adultes se retrouvent les vendredis soirs à 19h30 au site de Laval. Pour plus d'informations, consultez leur page Facebook respective. Nous avons des petits groupes qui se réunissent dans les maisons afin de partager sur la parole de Dieu et prier ensemble. Vous désirez connaître où se situe un groupe près de chez vous Écrivez à notre équipe à petitsgroupesacommerciale-portail.com alors sans plus tarder, écoutons le message que Dieu a pour nous aujourd'hui. Bonjour, euh, j'ai l'honneur de terminer là, cette série, euh, notre série Prédestinée, notre série de début euh, d'année et à travers euh, cette série, on a vu là, des merveilleuses euh, vérités bibliques qui ont été exposées. Euh, on a vu euh, tout premièrement que nous sommes euh, prédestinés à glorifier Jésus, hein, donc ta vie est, est destinée à glorifier Dieu. Nous avons vu que, que pour cette nouvelle année euh, et toutes les d'ailleurs, tu es destiné à ressembler à Jésus. Hein? Par sa grâce, il te donne la capacité de faire ce que tu étais incapable de faire. La semaine dernière, Pasteur guéthan nous a enseigné sur le fait que nous sommes prédestinés à persévérer pour Jésus. Et cette semaine, je vais clore notre série. Et aujourd'hui, on, on aborde un sujet tellement important. Tellement important. Le titre de mon message est Prédestiné à prêcher Jésus. Hein? Donc, oui, oui, chers chrétiens, tu es prédestiné à prêcher Jésus. Et on va parler un peu d'évangélisation aujourd'hui, du partage de notre foi. Euh, et, et vous savez, pour exposer euh, cette vérité, on va s'appuyer sur un passage de la Bible, un passage qu'on trouve en 1 Corinthiens 2 euh, du verset 1, 1 à 8. Et, et simplement pour mettre brièvement en contexte Paul, l'auteur de cette lettre aux Corinthiens. Euh, a beaucoup de choses à dire à l'Église de Corinthe. Hein. Paul va parler euh, de bien des sujets. Paul va parler du, du mariage. Il va parler de, de l'immoralité dans l'Église, euh, de l'unité que les chrétiens ont en Christ. Il va parler des, des dons spirituels, du rôle de l'homme et de la femme. Mais avant, là, avant d'aborder tous ces sujets euh, très importants, alors qu'on est encore au tout début euh, de sa lettre, Paul commence en parlant de quoi il parle de prêcher la bonne nouvelle. Donc, sans plus attendre, là, euh, plongeons nos regards dans la Bible. Vous pouvez tourner avec moi dans 1 Corinthiens 2 et je vais lire euh, le passage 1, les versets 1 à 8. 1 Corinthiens 2, 1 à 8. Je débute la lecture. Pour ma part, euh, mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité euh, de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Car Jésus, j'ai bon euh, parmi vous de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ. C'est lui, le mystère de Dieu. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma proclamation n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit, de puissance pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. Cependant, c'est bien une sagesse que nous énonçons parmi les gens accomplis, une sagesse qui n'est pas de ce monde ni des princes de ce monde qui doivent être réduits à rien. Nous énonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu a destinée d'avance depuis toujours à notre gloire. Aucun des princes de ce monde ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait connu, pas crucifié le Seigneur glorieux n'aurait pas crucifié le Seigneur glorieux. Alors... Euh il faut comprendre qu'à qu qu l'époque, hein, dans, dans ce monde euh, gréco-romain, euh, l'une des façons euh, d'acquérir ou, ou, ou même, je vous dirais, de, de démontrer euh, son influence, son savoir, son pouvoir, euh, euh, sa place importante euh, dans la société, euh, l'une des, des façons de faire était de bien parler, de maîtriser l'art euh, oratoire, d'avoir une, euh, je, je pourrais dire, une rhétorique. À Raffiné. Hein, c'était c'était une tactique qui impressionnait euh, les gens, euh, que plusieurs euh, enviaient cette pratique-là. Elle galvanisait, enthousiasmait les foules à l'époque. Et euh, si je suis bien franc, quand je regarde à notre réalité contemporaine, je pense pas que les choses ont changé tant que ça. Hein? Semble-t-il que de nos jours, euh, on favorise également là, ceux qui parlent bien. Hein, sur nos sphères publiques, euh, euh, les gens avec des beaux discours euh, ont bien des choses à dire. Hein. De nos jours, euh, on, on utilise encore les mots hein, pour tenter de, de persuader hein, de, de, de plusieurs façons là, notre culture et, et, et les individus qui forment notre culture tentent de nous convaincre régulièrement de plein de trucs hein. au courant de l'année dernière. Je pense que c'était peut-être en début d'année ou peut-être à, à la fin de l'année précédente, j'ai été convaincu euh, par le message de la bonne nouvelle euh, du air fryer. Et maintenant, je suis un, un converti. À, à, à mes oreilles, c'était trop beau pour être vrai, cette, euh, cette promesse de cuisson parfaite sans huile ou avec un peu d'huile. Pour moi, ça tenait euh, de l'histoire d'un conte de fées. Mais la possibilité m'attirait. Et si c'était vrai, hein, la rapidité, moins de vaisselle, se pourrait-il que ce soit vrai? Mais, mais mes amis, je peux vous dire que, que mes oreilles avaient entendu parler, mais maintenant mes yeux ont vu. Hein, les bienfaits du Air Fryer sont nombreux. Au point où est-ce que Karen et moi, on, on, on s'est acheté un deuxième Air Fryer encore plus gros. Et oui, 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 on m'a réellement converti. On m'a réellement converti. Mon ami, ouvre ouvre ta radio, ta télévision, va sur les réseaux, on te prêche quelque chose, on veut te convertir à quelque chose. Même la musique que tu écoutes, hein, euh, te prêche quelque chose, tes cours à l'école, de l'université au primaire, au secondaire, plus que de, de l'information, on te prêche des choses, des messages sur les bancs d'école. Les, 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 les publicités te communiquent quelque chose et, 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 et qu'on le réalise ou pas. On prêche également. Tu prêches également. Et là, je, tantôt, je viens de prêcher la bonne nouvelle du Air Fryer, puis ça serait pas étonnant euh, qu'après cette réunion, il y a au moins une personne qui va dire, « Bon, ça suffit, Chantal, today is the day. On va le prendre. On va aller prendre le Air Fryer. Il y a, il y a un spécial au Walmart. On va aller le prendre. » Bref, que tu le réalises ou pas, tu prêches toi aussi. Et, et, et je sais pas c'est quoi ton message. Je sais pas c'est quoi que tu véhicules aux autres. Est-ce que tu prêches les bienfaits d'une telle marque d'auto versus une autre? Est-ce que toi tu préfères telle marque de beurre d'arachide versus une autre? Est-ce que toi tu dis non, moi j'aime mieux cette bannière? Est-ce que tu fais la promotion d'un restaurant où tu as eu une expérience fantastique? Tu sais, si tu passes un peu de temps avec les gens, tu vas voir euh, relativement rapidement, c'est quoi qui est vraiment important pour eux hein? euh, Tu vas voir, euh, c'est quoi l'évangile qu'ils propagent hein? Je te pose la question, euh, toi, c'est quoi qui est important pour toi C'est quoi le message C'est quoi la prédication qui se dégage de toi Et aujourd'hui... Je veux affirmer cette réalité, le message le plus important, la prédication la plus importante est celle de l'évangile de Jésus parce qu'il est littéralement question de vie ou de mort éternelle. Si tu es chrétien, c'est ce que tu crois. Amen. C'est ce que tu crois. Vous savez, il y a rien de plus euh, pertinent, il y a rien de plus important, de plus urgent, de plus percutant et de plus puissant que Jésus. Assurément, assurément, c'est pas ce que croit notre société. Et parfois malheureusement si je suis franc à observer les gens qui fréquentent l'église, j'ai pas toujours l'impression que c'est ce qu'on croit non plus. Vous savez, je pense là qu'une mauvaise euh une mauvaise compréhension de l'Évangile nous nous, nous nous mène bien souvent à aborder euh, les gens là en partant de mauvais endroits là. Puis permettez-moi d'exposer un piège dans lequel plusieurs chrétiens bien intentionnés tombent lorsqu'il est question de, de partager sa foi, lorsqu'il est question euh, d'évangélisation. C'est c'est Karl Marx qui est réputé un jour avoir dit euh, la religion est l'opnium du peuple. Ce dicton-là de philosophie est devenu un slogan contre la religion et particulièrement contre le christianisme. Marx et ses disciples disaient et disent encore que les promesses de la religion d'un monde meilleur sont là pour garder le peuple sous la servitude des hommes de pouvoir de la classe dominante. Donc selon ce philosophe, ce sont des gens serviles et des gens dans le besoin. Euh, C'est eux qui ont besoin de religion. Et vous savez, sans, sans être autant extrême que Marx, je pense qu'il qu nous est tous arrivé de croire qu'il y a certaines personnes qui ont plus besoin de Jésus que d'autres. Hein? Donc, oui, on pourrait dire que cette personne a besoin de Jésus, mais, mais elle, l'autre à côté, waouh, elle, elle, elle a vraiment besoin de Jésus. Hein? Comme s'il y a une sorte de, de, de gradation dans nos têtes. Il y a des personnes qui ont besoin de Jésus, mais il y a des personnes qui ont vraiment besoin de Jésus. C'est on défense, c'est comme ça qu'on pense un peu. Vous savez, je pense que, euh, que l'homme a en général une tendance à car car caricaturer, là, à exagérer ce qui est un peu contraire à son opinion, euh, ce qui lui est étranger. Vous savez, dans notre société, un pasteur, c'est pas chose commune. Si je dis que je suis un pasteur, euh, bien des gens vont penser que je m'abstiens euh, de tout euh, plaisir possible et imaginable et que je suis une personne coincée euh, et, et c'est tout. Et, 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 les, 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 vous savez, les chrétiens ne sont pas euh, exemptés, exempts de faire des caricatures. Bien souvent, les chrétiens pensent que ceux qui ne partagent pas euh, leur foi sont malheureux avec leur vie. Euh, euh, ceux qui partagent pas leur foi, euh, 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 qui, qui, qui sont remplis de besoins euh, non répondus et qui vont s'approcher de Jésus, si on réussit à démontrer que Jésus est l'ultime euh, réponse à leurs besoins, donc voici ce qu'on pense. S'ils sont seuls, ben, Jésus va être leur ami. Si cette personne-là a peur, ben Jésus va être son abri. Euh, si cette personne se sent euh, coupable, ben Jésus va les pardonner. Si une personne se sent vide, ben Jésus va donner un sens euh, à sa vie. Et le problème avec ça, c'est pas que c'est pas, pas vrai. Non, euh, je crois vraiment personnellement que Jésus est la réponse à tous ces besoins-là. Mais le problème, c'est qu'on pense, c'est qu'on présume que tous les non-chrétiens vivent ces besoins non répondus. Si notre seule façon de partager l'Évangile, c'est que Jésus est la réponse à ton besoin. Ben, on a des problèmes avec des gens qui n'ont pas nécessairement de problème puis qui ne se posent pas de questions. Qu'est-ce qui se passe avec ton voisin ou ton ami pour qui ça va bien? Lui, là, ça va, ça va bien dans sa vie. Il est en santé, il est prospère, un homme généreux. Peut-être est marié, ça fait 25 ans. OK, oui, des hauts et des bas, mais, mais sincèrement, il est heureux, il n'est pas stressé, il est aisé, ça va bien. À, à, comment on les aborde, eux? Comment est-ce qu'on partage notre foi? Parce que pour lui, tout semble bien aller. Est-ce que ça voudrait dire qu'il a moins besoin de l'évangile? La réalité, c'est que pour plusieurs, ben c'est ce qu'on pense. On pense que certaines personnes ont, ont vraiment besoin de Jésus. Et comme, comme je l'ai dit tantôt, oui, tout le monde a besoin de Jésus, mais peut-être que l'autre d'à côté en a vraiment besoin. Et, et, et si on pense que certains ont besoin euh, plus de Jésus que d'autres, ce que ça veut dire, logiquement, c'est qu'on pense également que certains ont besoin de moins, ont moins besoin de Jésus que d'autres. Vous suivez ma logique? C'est Philippe Yancy, un auteur que j'aime beaucoup, probablement, probablement mon auteur chrétien préféré. Qui, qui, qui commence un livre qu'il a écrit sur la grâce avec cette histoire, puis c'est une histoire qu'une euh, qu de ses connaissances, qu'un de ses amis a vécu. puis je vous en fais la lecture. Une prostituée qui était dans un état lamentable est venue me voir, elle n'avait nulle part où dormir, elle était malade et n'avait pas les moyens pour acheter de la nourriture pour sa fillette de deux ans. À travers des sanglots et des peurs, elle me dit qu'elle qu vendait sa fille de deux ans à des hommes intéressés à ce genre de perversion. Elle faisait plus d'argent avec sa fille en une heure qu'elle ne le faisait en une nuit de travail. Elle me dit qu'elle devait le faire pour supporter le coût de sa dépendance à la drogue. Je pouvais à peine supporter d'écouter son histoire sordide. J'étais maintenant légalement responsable. Je suis tenu de signaler les cas de maltraitance d'enfants. Je n'avais aucune idée quoi dire à cette femme. À la fin de notre entretien, je lui ai demandé si elle avait déjà pensé à aller à l'église pour obtenir de l'aide. Je n'oublierai jamais sa réaction. Troublée et choquée par ma question, elle me regarda et dit, l'église, pourquoi irais-je à cet endroit? Je me sens déjà mal pour tout ce que j'ai fait. Il me ferait me sentir encore pire. Fallait bien continuer en disant, ce qui me frappe de l'histoire de mon ami, c'est que des femmes dans des situations similaires à cette prostituée ne s'enfuyaient pas au loin de Jésus, mais plutôt couraient vers lui. <laughs> Amen. Ça, c'est un excellent message pour un autre tantôt. Là. Il, y a, il y a plusieurs euh, choses que je pourrais dire par rapport à cette histoire, mais si je veux revenir, là, permettez-moi de soulever ceci. Si on est franc dans notre tête, bien souvent, bien souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à quelqu'un comme ça, puis on va dire Ouais, elle, vraiment, elle a vraiment besoin de Jésus. Hein? C'est comme si on a plusieurs euh, niveaux des, des castes dans notre tête ce genre de pensée là qui, qui, qui est un peu une forme de dérivé là, de ce que karl marx avance là okay? vient d'une mauvaise compréhension de notre dépravation totale devant dieu okay? On pense que Jésus est venu uniquement pour ceux qui ressentent un besoin, pour ceux qui ont des problèmes d'estime de soi ou d'autres besoins, euh, quelconques. Et, et, et la conséquence là, okay, de cette pensée, c'est que on est à court de mots devant quelqu'un qui semble mener une vie qui est belle. On ne sait pas trop quoi dire à quelqu'un qui, quand tu regardes à sa vie, ben, ça va franchement bien. Et ce qui arrive, c'est que bien souvent, on va essayer de convaincre des gens heureux, on va essayer de, de, les, de les faire réaliser qu'en réalité, ils sont malheureux et misérables pour les pointer vers Jésus. Et on base notre évangélisation sur ça. J'ai lu un article assez cocasse là, qui, illustre, euh, qui illustre bien là, comment les chrétiens essayent parfois de, de convaincre les autres qui sont malheureux. Hein? Donc, voici à quoi pourrait ressembler un peu une conversation entre un chrétien et un non-chrétien. C'est un peu humoristique, OK? Mais trop souvent, on est très proche de la réalité, OK? Donc, on s'imagine euh, deux amis sur l'heure du dîner euh, au travail, euh, et là, il y a un chrétien rempli de bonnes intentions, euh, il cherche à aborder son ami et, et, et lui parler de Dieu. Hein. Il cherche à, à parler euh, à son ami euh, de Dieu, il cherche une ouverture, et là, il ne sait pas trop par où commencer, et là, il se lance finalement et il demande, euh, euh, est-ce que tu recherches quelque chose de plus dans la vie? Et là, son ami dit, ben... Ben, comme quoi? Puis là, il répond, ben, tu une raison d'être, là, le, le pourquoi que tu es là, tu un sens à ta vie, ce, ce genre de choses. Puis son ami en deux boussées de sandwich, il dit, ben, pas ben vraiment, non? Ben, j'aime vraiment ma job maintenant, ça va, ça va vraiment bien. À, à vrai dire, ma vie va vraiment bien pour être franc. Ça va super bien avec ma blonde. Oh, est-ce que je t'ai dit que, que je vais aller à Hawaï avec ma copine le mois prochain? Et là, le, le chrétien, flairant, pensant avoir trouvé son ouverture, il va poursuivre en disant, ah, mais tu sais que ce genre de plaisir est éphémère. Puis l'homme va répondre, ben... Ouais, mais c'est correct, il y a beaucoup, beaucoup d'îles de à Hawaï, donc je peux y retourner pour renouveler l'expérience si je veux. Là. Puis là, le, le chrétien, il renchérit en disant, mais, mais tu t'es jamais demandé s'il y a plus dans la vie que les choses temporelles? Son ami répond, il dit, oui, 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 je me suis déjà posé la question, mais pas dernièrement, non. Puis là, le chrétien, il est un peu agacé. Il veut trouver son ouverture, puis il ne sait pas trop quoi dire. Puis là, il va dire ben, 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 tu ne sens pas qu'il que y a un vide en forme de Dieu à l'intérieur de toi? Et là, le gars répond il dit Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Et là, il, le chrétien dit Mais tu ne penses pas que tu vas commencer à être malheureux? <laughs> puis là, le gars il dit Tu sais quoi, si je continue à te parler, oui. <laughs> OK, on arrête ici l'illustration. Donc voici un peu à quoi peuvent ressembler certaines euh, interactions. Hein? On vit une, une joie, une, une nouvelle joie, une plénitude avec Dieu et d'une façon bien intentionnée, là, okay? on essaie d'amener les autres à comprendre que ben, tu sais quoi, tu n'es pas heureux et qu'ils ne sont vraiment pas heureux et qu'avec Dieu, ils vont être bien. Mais, mais par contre, plusieurs endroits dans la Bible nous présentent pas des non-chrétiens malheureux. Proverbe 2,14 euh, euh, nous dit que le méchant se réjouit de faire du mal et met son allégresse dans la perversité. Se réjouir, allégresse. Pas l'air malheureux là, ce méchant. Vous savez, c'est pourquoi à plusieurs reprises on voit que ceux qui partagent la, la, la nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus dans le Nouveau Testament, ils partent pas là d'un vide psychologique de la personne, mais plutôt du fait qu'ils sont coupables devant Dieu qui est saint. Certainement, les personnes malheureuses non chrétiennes peuvent trouver une joie sans pareil en Jésus, mais n'insistons pas en voulant caricaturer, en voulant croire que chaque non chrétien gémit de douleur dans une misère constante. Est-ce que le but de l'évangile, c'est de rendre les gens heureux? Est-ce que le but de l'évangile, c'est de rendre des gens heureux encore plus heureux? Ou est-ce que le but de l'évangile, euh, euh, c'est de, de rendre des gens qui sont misérables, mais ben les rendre moins misérables? Hein? Et, et, et si la bonne nouvelle n'était pas simplement un moyen de répondre à nos besoins non satisfaits? Et si la bonne nouvelle avait un but encore plus important? Et si la bonne nouvelle, c'est une question de passer du royaume des ténèbres à un royaume de lumière? Et que c'était pas simplement à propos des, des sourires et des pleurs, mais plutôt réellement une question de vie ou de mort. Et si c'est une question de vie ou de mort, d'éternité, ben maintenant, là, je me retrouve avec un, un évangile à partager. Peu importe ton état émotionnel, peu importe si as besoin, des besoins non répondus ou pas, que ça va super bien euh, dans ta vie ou que ça va moins bien, ben la Bible nous informe que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes tous spirituellement morts devant Dieu. Notre partage de l'évangile ne peut pas partir du point des besoins non répondus. Ce n'est pas de là que ça peut partir. Qu'est-ce que l'évangélisation simplement dit? C'est ceci. L'évangélisation, c'est enseigner l'évangile avec le but de persuader. C'est tout. L'évangélisation, partager sa foi, ça veut dire enseigner. On utilise des mots. On enseigne quoi On enseigne l'évangile. On enseigne la bonne nouvelle de Jésus. Et on ne veut pas juste donner des informations. Le but, c'est de persuader euh, l'autre. Le but est que l'autre puisse venir à Jésus. Et permettez-moi de vous proposer une façon simple de partager la bonne nouvelle de Jésus. Dieu, l'homme, Jésus, la réponse. Je répète, Dieu, l'homme, Jésus, la réponse. Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est notre créateur. Dieu est amour, il est saint et il est juste. L'homme, well, nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes des œuvres merveilleuses. Nous avons de la valeur. Tous ont, ont droit à la dignité. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que par nos fautes et notre nature, nous sommes rebelles contre Dieu. Notre péché nous corrompt et nous rend incapables de se tenir devant Dieu. Donc voici Dieu, voici l'homme, et maintenant Jésus. Bonne nouvelle, Jésus est Dieu fait chair qui a vécu une vie parfaite afin d'être ce sacrifice parfait, et par euh, sa mort sur la croix, il a payé le prix euh, pour les péchés de ses enfants. Et en Jésus, on peut être restauré dans une relation d'amour avec Dieu. Et pour terminer, réponse, la réponse que Dieu exige de nous, c'est qu'on puisse reconnaître notre péché de nous repentir et de croire en Jésus. On se, on se détourne de nos péchés, de notre, de notre péché d'incrédulité. On se tourne vers Dieu dans la foi en sachant qu'on va le suivre pour le reste de nos jours. Frères et sœurs, voici le message. Voici l'évangile. Voici le message le plus important. Voici l'évangile de Jésus. Voici ce qui, le message qui devrait émaner des chrétiens. Parce que c'est ce qu'on considère comme étant le plus important. Donc, bien sûr, quand je suis avec des amis qui ne sont pas chrétiens, ben oui, on peut rire ensemble. On peut avoir du fun, on peut avoir du plaisir, on peut passer un bon temps ensemble. On peut aller regarder des games de hockey, on peut faire plein de choses. Mais à un moment donné, à un moment donné on va parler un peu de Jésus ensemble. Imaginez-vous, là. Que vous êtes sur un bateau, vous êtes sur un navire et qui, et qui fait naufrage. Et là, les, les gens, ils sont affolés, ils courent vers les petits bateaux de secours, ils prennent les gilets de sauvetage. Et imaginez un homme qui prend le mégaphone puis qui va dire Assurez-vous, assurez-vous de, de cirer vos souliers, et de les attacher avant de partir. N'oubliez pas vos chapeaux, messieurs. Alors, mon ami, il y a des choses qui peuvent attendre. Hein? Non, s'il y a un homme avec un mégaphone, ce qu'il va sûrement dire, c'est, mon ami, cours, cours par là si tu veux vivre. Et si vous croyez vraiment dans votre salut, cher chrétien, tu ne peux pas juste regarder les gens aller à la perdition. Tu vas aussi dire à un moment donné, cours, cours par là, cours à Jésus si tu veux vivre. Donc oui, oui, on peut avoir du fun, on peut rire ensemble. Mais on a tous besoin de Jésus-Christ crucifié. Et j'espère que ce n'est pas juste des blagues qu'on va donner à nos, nos amis, avec ceux qu'on aime. J'espère que ce n'est pas seulement des choses dites importantes de cette vie éphémère qu'on parle. À un moment donné, je prie qu'on puisse tous dire, comme Paul, j'ai jugé bon avec toi de ne rien savoir d'autre que Jésus. Parle, parle, jase, jase, mes chrétiens, parle de la croix de Jésus. Vous savez... On est bien et parfait. Nous sommes des vases d'argile bien et parfait qui contenant un message parfait. Et malgré notre imperfection, nos, nos limitations, Dieu veut nous nous, nous utiliser pour, pour apporter son message. Juste avant notre texte, à la fin du, du chapitre qui précède notre texte, juste avant notre texte, hein, Paul nous dit, Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi euh, euh, ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Dieu, Dieu nous utilise en dépit de notre faiblesse pour apporter Jésus. Quand tu partages ta foi, il faut que tu gardes ça en tête, OK? Dieu nous utilise en dépit de notre faiblesse pour faire connaître Jésus. Et il y en a certains qui pourraient dire, « Mais, mais je n'ai pas étudié en théologie, pasteur. Je ne je, je m'y connais pas en apologétique, pasteur. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, apologétique? Pasteur, je ne connais pas ma Bible par cœur. Moi, moi non plus. » Ah, euh, pasteur, ça, ça, c'est pas mon don. Ça, c'est pas mon don. La, la réalité, là, c'est que nous sommes tous indignes de porter un message euh, si parfait. Si, si, si on devait attendre d'être dignes pour prêcher l'évangile, il ben, n'y aurait pas de prédication le dimanche matin à l'église, le portail. Et il n'y aurait personne pour partager la bonne nouvelle. Pasteur, je ne suis pas confiant. J'ai de la misère à témoigner, pasteur. Good. Paul aussi. Paul aussi. Paul n'a pas dit qu'il qu se sentait fort, digne et qu'il avançait avec bravoure et courage. Non, Paul a dit qu'il est faible et craintif et qu'il tremblait comme une feuille. Vous savez, c'est normal que ça coûte. C'est normal. C'est normal que, que ça soit awkward, que ça soit weird, que ça soit bizarre. C'est normal qu'on qu ne sache pas toujours quoi dire. C'est normal de se sentir faible et pas à sa place. J'ai mentionné là tantôt que, que Dieu a choisi ce qui est faible pour faire honte aux forts, ce qui est fou pour faire honte aux sages, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est un homme du nom de Rico Tice, euh, qui est l'auteur du livre L'évangélisation honnête, Comment parler de Jésus même quand c'est dur. Euh, euh, cet auteur va lui-même dire... Donc, s'il si a écrit un livre, on s'entend que c'est un spécialiste sur le sujet. C'est l'auteur, on va lui-même dire « Je trouve l'évangélisation difficile. » Le problème, lorsqu'on est un évangéliste, c'est que les personnes assument que l'évangélisation nous vient sans effort. « Mais je ne trouve pas ça facile. Je n'ai jamais trouvé ça facile. Pour moi, parler aux gens à propos de Jésus fut plus d'une fois une expérience angoissante. » Donc, si lui, un, un habitué ou, ou ce qu'on qu qu pourrait qualifier d'un soi-disant expert, en la matière, ils trouvent ça dur. J'aimerais t'informer que c'est normal qu'on trouve ça dur. C'est normal que l'évangélisation nous coûte, que ça ne soit pas quelque chose qui nous vient naturellement. Donc, mon ami, si tu sens que tu n'as pas les capacités requises pour, pour, pour le partage de la foi, bien, je t'invite à, à mettre ce mensonge de côté, parce que si tu es un enfant de Dieu, tu as les capacités. Si tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu comprends l'Évangile et que tu peux partager ce que tu comprends et ce que Dieu a fait pour toi. Et mon ami, prends conscience là également que que tu n'es pas seul. Permettez-moi ici de citer Paul Tripp qui dit « La grâce de cette croix n'est pas seulement notre pardon, c'est notre pouvoir. Cette croix ne s'attaque pas seulement à notre culpabilité, elle s'attaque à notre incapacité. Donc là où est-ce que tu te dis incapable, l'Esprit Saint en toi t'accompagnera et te donnera capacité. En Jésus, je trouve mon salut et en Jésus, je trouve puissance et espérance. Amen. Vous savez, euh » Amen. savez... Il y a de ça plusieurs années, quelques années, dans un de mes cours de relations d'aide, le professeur, qui, qui était également un pasteur et un psychothérapeute, nous expliquait qu'il que y a un psychiatre qui s'est converti alors qu'il s'entretenait avec un patient qui était schizophrène. Donc, vous comprenez, hein? Dieu utilise ce que les gens considèrent comme folie pour confondre les sages. Pourquoi mais le texte nous le dit parce que ce ne sont pas les discours éloquents, des proclamations persuasives de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Ce n'est pas par la puissance de personne d'autre que Dieu que des gens viennent à Lui. Ça, il faut le saisir. Donc, mon ami, si tu te sens limité, ben c'est correct parce que c'est là que Dieu te veut. Fais-lui confiance et fais simplement partager la bonne nouvelle. C'est bien que tu t'aies pas confiance en toi. Et confiance en Dieu. Notre devoir à nous, c'est quoi Notre devoir, c'est de partager l'évangile. La, la conversion, ça, ça dépend pas de nous. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Vous savez, j'ai déjà entendu là, le témoignage de gens qui étaient au travail et que les, 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 gens, les gens se moquaient de ceux qui allaient à l'église. Hein, encore aujourd'hui, ça va. Il y a des gens qui vont à l'église. Puis Là, finalement, la personne pour encourage. Son courage à demain, puis il fait simplement dire ben, moi je suis chrétien, puis je vais à l'église à chaque dimanche. Puis là, finalement, ceux qui se moquaient, mais ben, ils se moquent moins. Même, je vous dirais qu'ils respectent un peu plus ça. Puis ils commencent même à poser des, que oh, à poser des questions. Ah, oh, ouais, tu vas à l'église. Ah oh, oui? C'est quoi qui t'amène à y aller? Mon ami, partager sa foi, euh, ça peut faire peur. Oui, il existe peut-être une personne que tu connais qui, 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 qui est totalement désinhibée lorsqu'il vient euh, au partage de sa foi, mais ces gens-là sont rares. Là. Okay. Ça, c est, c est des, ces gens-là sont vraiment rares. Si tu demandes là, à la plupart des gens, ils vont te dire que ce qui euh, les retient dans leur évangélisation, c'est quoi? C'est la peur, peur du rejet, peur de paraître stupide. Et, et en plus... Ceux qui s'opposent à l'Évangile de Jésus disent bien souvent aux chrétiens que c'est quoi le monde moderne là a rendu le christianisme sans intérêt, que le christianisme c'est quelque chose d'archaïque et que c'était bon pour les gens il et, et y a que ça il y a de ça longtemps mais maintenant on est rendu ailleurs. Et en disant ça, ce qu'ils ce qu font, c'est qu'ils ébranlent la confiance des chrétiens dans la puissance de l'Évangile. Les gens ont, ont fait ça euh, euh, depuis quelques siècles déjà. Ils le font aujourd'hui, mais ils vont le faire jusqu'au retour de Jésus. Le monde veut faire croire aux chrétiens que l'Évangile est quelque chose d'autrefois. Le monde influence les chrétiens à moins croire en la puissance de l'Évangile. Et ça, ce que ça peut avoir comme impact, c'est que ce que ça peut avoir comme résultat, c'est qu'on qu va se remettre sur plein de choses. Euh, sur plein de choses, parce qu'on a perdu confiance dans l'Évangile. Hein? On va se mettre euh, à, à, à miser sur une louange, euh, sur une louange, wow! Vraiment, wow! Là. Presque un show qu'on donne un dimanche matin. On va se mettre à miser sur plusieurs bonnes choses comme, comme des œuvres humanitaires, là. ou encore une présence sur Internet. Là. Taou, ça coche! Hein? On va faire plein de programmes on, on mise sur ce qui tape l'œil. Et là, détrompez-vous dé, là. Je suis pas en train de dire que toutes ces choses sont mauvaises. Non. Il y a des belles choses dans ce que j'ai mentionné là, OK Je suis content que Dieu nous fasse grâce là de plusieurs euh, ressources. Je suis fier que on vienne en, en aide euh, de plusieurs façons. Mais mais il n'y a rien, absolument rien qui remplace l'exposition de la bonne nouvelle de Jésus. Il n'y a, a rien de plus puissant euh, que l'évangile, il n'y a rien de plus nécessaire que l'évangile, il n'y a rien de plus primordial euh, que l'évangile. C'est Paul en Romains 1, 16 qui nous dit "Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit." Rien de plus important que partager la bonne nouvelle. Rien de plus primordial, rien de plus urgent. Maintenant, laissez-moi laissez là vous, vous donner quelques principes bien pratico-pratiques hein, quand on vient au partage de notre foi. Premièrement, euh, mais sois gracieux à ton égard. On va faire des erreurs. Ah, yeah. <laughs> Ça ne va pas se passer parfaitement. Peut-être qu'on va dire des choses qui, après coup, on va se dire, hmm, peut-être que j'aurais dû dire ça d'une autre façon. Peut-être qu'on va rester silencieux à un moment où est-ce qu'on aurait dû parler. Et peut-être qu'on va parler à un moment où est-ce qu'on aurait dû rester silencieux. Mon ami, Dieu ne s'attend pas à la perfection de ta part. Il agit en dépit hein, de nos imperfections. Euh, sois, sois gracieux à ton égard et sois gracieux à l'égard des autres également. Euh, sois compatissant. Conserve un cœur tendre envers les autres. Euh, Rappelle-toi que, que tu es pécheur et qu'à la fin, la seule différence entre le non-chrétien et toi, c'est la grâce de Dieu. Donc rappelle-toi d'où Dieu t'a pris. Ralentis le jugement. R ralentis le jugement. Rappelle-toi également que le, le chrétien se targue d'avoir les réponses aux plus grandes questions de la vie. Le christianisme offre réponses aux plus grandes questions de la vie. Et ça, c'est fort. C'est fort, c'est beaucoup. Et ça, on peut offrir ça. Donc quand la réalité de la vie là, vient, 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 vient percer les barrières superficielles des gens, on peut, on peut, on peut faire briller l'évangile de tous ses éclats. Euh, pose beaucoup de questions. Écoute. Apprends à avoir une bonne écoute. Euh, J'aimerais dire également, euh, si tu anticipes une certaine problématique, chez la personne à qui tu parles ou que tu veux parler, ben c'est bien de se familiariser avec le sujet. Lire un livre ou de discuter avec quelqu'un qui connaît bien le sujet. D'accord euh, Je t'invite aussi à poser la question. Pose la question à la personne. Est-ce que je peux te parler de Jésus Est-ce que je peux te, te parler de la bonne nouvelle du christianisme Tu pourrais vraiment être surpris des réponses. Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi que le résultat ne dépend pas de toi. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Le résultat ne dépend pas de toi. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Rappelle-toi aussi que nous sommes des ambassadeurs de Christ, donc on communique la bonne nouvelle. On n'a pas le droit de changer le message. On n'a pas le droit de changer le message. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'évangélisation Je le répète, l'évangélisation, c'est enseigner l'évangile avec le but de persuader. Alors que je, je conclue ce message, j'aimerais apporter votre attention à un dernier élément. Euh, vous savez, dans notre texte, dans le texte qu'on a lu en entrée du message, on voit Paul dire au verset 4, Ma parole et ma proclamation n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, c'était une démonstration d'esprit, de puissance. Vous savez, certains théologiens soulignent qu'ils mentionnent ça suite à une situation qui est arrivée. Ok. Euh, les historiens, il y a des historiens qui nous disent que au moment où est-ce que Paul a écrit ces paroles, ok, euh, il venait tout juste de quitter Athènes, là où est-ce qu'il avait fait un grand discours et que dans ces discours là, dans ce discours là, il avait utilisé une technique euh, très différente. Très différente pour aller chercher son audience, OK? Dans, dans son discours à Athènes, vous pouvez le trouver en Acte 17, à l'aéropage, il a commencé avec la, la révélation générale, la nature qui témoigne de Dieu. Et il a cité au moins deux poètes grecs. Et, et quand il est arrivé à parler de la résurrection de Jésus, bien, les gens se sont moqués de lui. Puis il est parti. Donc, de ce fait... Et, et, et en plus que Athènes est la seule grande ville du monde gréco-romain où est-ce que l'apôtre Paul n'a pas établi un groupe de croyants, il y a certains théologiens qui déduisent que Paul aurait pu prendre euh, ce discours-là comme un, un échec personnel. Donc, suite à cet échec, il serait arrivé avec une posture un peu plus humble à Corinthe, ce qui expliquerait qu'il se sentirait dans cet état de faiblesse et de crainte. Vous me suivez? Donc, peut-être peut que Paul... Suite à son genre d'échec de discours à l'aéropage dans Acte 17, où est-ce qu'il a utilisé des, des techniques rhétoriques, ça l'a rendu humble et que maintenant il ne veut dépendre de Christ et de Christ seul. Les, les théologiens se disputent là à savoir si c'est de là que vient son désir de, de dépendre uniquement de l'Esprit et pas sur la sagesse humaine. Bon, pour quelques raisons... Je ne partage pas nécessairement l'avis que que de que de dépendre de l'esprit vient de ce que certains appellent un échec à Athènes. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Et de, bon, rendu à ce stade-ci, on ne peut que spéculer. Euh, mais même si je ne suis pas d'accord avec cette pensée, ça peut nous être utile. Ça sonne pas faux. Ça, ça sonne pas faux. Ça ne sonne pas faux hein, que tu essayes quelque chose par toutes sortes de moyens et d'artifices pour te rendre compte finalement que tu es un peu plus niaiseux que tu le croyais. Ça ne sonne pas faux. Ça ne sonne pas faux que, comme, que rien se compare à la vraie chose. Hein. On peut essayer toutes sortes de techniques, on peut étudier le sujet pendant cinq ans, on peut faire une thèse, on peut en discuter et rediscuter sur l'évangélisation. Tu peux courir après la dernière tendance que le nouveau pasteur a trouvée. Mais la réalité, c'est que encore une fois, on n'a pas, pas besoin de la nouvelle technique ou de la nouvelle tendance. Mon ami, accroche-toi à l'Évangile et prêche Jésus mort et ressuscité. Prêche que qu'on qu est pécheur et qu'on a besoin de la croix. Ton ami n'a pas, a pas besoin d'une nouvelle façon de faire. Il y a, a besoin d'un chrétien obéissant, fidèle aux saintes Écritures, qui prêche Jésus. Ton ami a désespérément besoin que tu sois obéissant à l'appel de Dieu. Et que tu lui présentes l'Évangile pur et simple. Simplement dit, nos amis ont besoin qu'on fasse notre job. Ton voisin, ta coiffeuse, ta collègue de classe, ton comptable, ton ami, ils ont besoin que tu fasses ta job. La parole de Dieu n'a pas besoin d'artifice. La parole de Dieu, c'est un lion rugissant on doit simplement la présenter. C'est un pasteur qui a dit il est dans la nature, il est dans la nature de la croix, qu'elle ne peut pas être prêchée de manière élégante et brillante, mais seulement dans la faiblesse. Mon ami présente l'Évangile, parle de Jésus, parle de Jésus. C'était la parole pour aujourd'hui. Amen. J'espère que ce message t'a permis d'en connaître plus sur Jésus. Si tu désires en savoir plus sur lui ou sur l'Église, je t'invite à nous écrire à info à de et un membre de notre personnel te contactera dans les plus brefs délais afin de prendre du temps avec toi. En terminant, merci de votre soutien à l'œuvre de Jésus par la prière et par vos dons, parce qu'il continue à sauver et transformer des vies aujourd'hui. Votre soutien est important et contribue à notre mission qui a pour objectif de prêcher la bonne nouvelle à tout le monde afin qu'il découvre que tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, pour nous soutenir, vous pouvez le faire directement via votre institution bancaire ou en, en écrivant à don à .com. Au nom de toute l'équipe, passez une belle semaine.